Allez, salut! J'ai bien sûr pas configuré mon jeu correctement. Hop! Tatata, il est ici. Et voilà! Voilà, j'avais oublié qu'on avait commencé à streamer Scorn hier et c'était bien cool. Mais bon, je vais pas le faire ce matin, je prendrai peut-être lundi soir ou un truc comme ça. Voilà, j'en fais pas ce week-end, il y a plein de gens qui vont le faire de toute façon. Voilà, donc ce matin on va faire plutôt un petit live cool sur Final Fantasy VII, on va continuer tranquillement. Hop. Épisode 9 déjà. Bon, le jeu va un peu trop vite. Il avance un peu trop vite. Et qu'après j'ai pas d'autres RPG à faire. On va pas rattaquer un Witcher tout de suite quand même. On va peut-être attendre le remake. Ah, le next-gen. Donc voilà. Je sais plus où on en était. On va lancer. Et c'est parti. Comme d'habitude, je suis toujours un peu à la bourre, je sors du boulot. Même le samedi. Le groupe de terroristes. Étude un petit live jusqu'à 1h tranquillement. De toute façon, je crois que maintenant ça va être mes heures de stream normal. Maintenant, on va j'ai plus le temps, j'ai plus le courage. Non. Je suis avec le boulot là, je suis trop fatigué. J'arrive plus à streamer le soir à 8h. Donc bah, cette semaine, on essaiera peut-être un ou deux streams sur Scorn le soir. Mais voilà, de toute façon, il n'y a personne en plus ce soir. Donc le matin, ça marche mieux. Donc on va plutôt privilégier la sortie du boulot jusqu'à 1h. Et je reprends le boulot après l'après-midi vers 16h. Donc temps de manger et faire une petite sieste. Allez, je vais parler au petit grand-père. C'est parti. Oh, c'est donc toi, le fameux mercenaire dont j'ai entendu parler. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma femme, mais je suis incapable d'aller sur sa tombe. C'est parce que le cimetière du bidonville a été envahi par des créatures dangereuses. Dis-moi, est-ce que je pourrais te demander d'aller prier sur la tombe de ma femme? Mais pourquoi pas? On n'est pas très... Je te remercie. Le cimetière est en bas de la rivière. Par contre, d'après ce qu'on m'a dit, il est probable que la porte ait été fermée à clé. C'est sûrement pour empêcher que les gens se fassent attaquer par les créatures. Dis, la clé du cimetière, on l'a bien obtenue à la boutique de Mogi, non? Eh oui. Tout à fait. C'est sûr qu'il avait une épée à me vendre, lui. Mais non. Si on achète un bracelet très ténébreux, ouais. Pour Barrette, ça ira bien. Je pense qu'après, on va récupérer d'autres. Et on en rachètera. Qu'est-ce qu'il te faut pour te protéger ? De toute façon, c'est une zone où on fait beaucoup de quêtes secondaires, donc on va faire ça. Le bidonville du secteur 5 est par là. Oh, je suis tout ému. Ma première fois dans un bidonville. Alors, attends. Pardon ? Ouais, super. Ouais, c'est les enfants patrouilles, mais on les trouvera au fur et à mesure. Pas plus simple, marqué comme prioritaire. C'était par là. J'ai bien peur qu'une nouvelle guerre éclate maintenant. Oui. Oh, je suis sauvée.
Coucou. C'est de la persécution. Sortez de cette merde là. Il y a Claude qui est en train de se faire une gamelle là. Tout mimi. La première fois que j'utilise cette invocation. Ah ok, faut être à fond. Alors, éclat de rubis réduit temporairement les dégâts physiques hein, par le coéquipier. On sait pas. Augmente temporairement la vitesse de remplissage tous les coéquipiers, on s'en branle. Désolée, je sommeille. Qu'est-ce qui m'a pris? Je m'en charge. Bizarre comme cimetière. Tu pourrais faire une prière toi aussi. Non, c'est bon. Retournons plutôt voir l'homme. Comment t'es pas aimable? Non. Non, parce qu'on va visiter. Déjà, on va se poser.
Y'a vraiment rien à farmer? Ah, j'aurais pu y aller en tout. Salut Missou. Jitsum. Ah, j'arrive jamais à prononcer ton nom. T'appelais Missu. Enfin, excuse-moi. Comment tu vas? Désolé, j'ai bégayé sur ton nom. Je me fais trop d'idées. Le bidonville du secteur 5 est par là. Oui, est-ce que tu... Vous pourriez vérifier... Comment vas-tu de ce grand dimanche matin? Samedi matin plutôt. Cloud, merci pour votre coopération. Missigu. Ah oui, Missigu, je suis con. J'ai du nouveau en matière de matériel. Oh, ça va, comme une... Parce que je bosse ce week-end, donc... Toujours un peu moyen quand on bosse, mais... J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Mon grand-père est à fond à cause de cette histoire. Si jamais il fait la Une fois de plus, vous m'avez rendu service. Voici votre récompense. Pour tout vous dire, je dois beaucoup à cet homme. Et puis maintenant, je vous dois beaucoup, à vous aussi. Voici un gage de ma gratitude. Acceptez-le, s'il vous plaît. Et pas de soucis. Nous avons nettoyé la tombe de votre épouse et nous avons prié pour vous. Oh, je vous remercie tous les deux. Grâce à vous, je me sens beaucoup plus serein désormais. À vrai dire, j'avais quasiment abandonné l'idée de me recueillir sur sa tombe. Mes vieilles jambes ne me permettent plus de me déplacer comme avant, voyez-vous. Mais je voulais quand même y aller une toute dernière fois. C'est justement au moment où je réfléchissais à ça que vous êtes venu. Ah, des fois j'ai certains noms, j'ai du mal un peu à les prononcer, je suis désolé. Ma femme a compris que j'étais désormais trop vieux. C'est un petit feu sur la langue des fois, c'est compliqué. Voici la clé du cimetière. Rendez-la à Mogi. Je vais t'appeler Missou. C'est plus simple. En plus, c'est ce que je dis à chaque fois, et puis chaque fois je joue. Je veux bien, mais ça vous coûtera 5000 guilds. 5000 guilds? L'argent, l'argent, vous ne pensez qu'à ça. Très bien. Je suis désolé. Je n'utiliserai plus jamais vos services. La clé, je vais aller la rendre moi-même. Oh, mais quelle misère! Voilà donc le monde que la Shinra nous promet. Ok, super. Les gens du bidonville comptent vraiment sur nous maintenant. Ouais. Tu peux peut-être y prendre plaisir? Ouais. Super, hein. On lui a demandé 5000 balles pour amener une clé. Il a vachement pas apprécié, quoi. Il faut savoir communiquer dans ce métier, non? Je compte sur toi pour ça. Je veux bien. Mais je peux pas le faire tout le temps, quand même. D'accord? Ouais, t'as raison. Bien sûr que j'ai raison. Et mes services sont pas donnés, mine de rien. Hop. Vous avez il y a deux quêtes que j'ai pas trouvées, je sais pas où elles sont. Où je les trouve? Vraiment perdu dans cette ville en plus. Tu vas où là? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le droit d'aller par là. Qu'est-ce que c'est dur ça? En fin de compte, c'est nous. On peut avoir quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il paraît que quelqu'un... Il y avait des quêtes quelque part, mais alors où? Ce petit boulot était bien payé. Comment tu vas, le tout? Ah, il faut que je trouve tous les gamins avec les épées déjà. Ce bâtiment, c'est le centre communautaire de ce secteur. Du temps où je suis arrivé. Ah. Oh, monsieur le soldat, toi aussi t'es venu écouter des histoires? Ah, sa voix me stresse. Les réacteurs ont été détruits. Il paraît qu'il va peut-être encore y avoir la guerre. Tu crois que c'est vrai? J'en sais rien, mais il y a quelque chose dont tu devrais te soucier davantage. Bah, c'est la promesse que j'ai faite à mademoiselle Folia. Il faut que je rentre à l'orphelinat.
Hop. Waouh, c'est toi, Cloud. Eh, c'est moi, Cloud. Comment se passe la patrouille? Le bidonville est plus agité que d'habitude. Ça doit être à cause de l'attaque contre le réacteur Mako. Tu es très attentif, je suis très impressionnée. Mais dis-moi, tu n'aurais pas oublié quelque chose? Ah, c'est déjà l'heure de la classe. Je dois rentrer à la maison feuillue. Je vois que tout le monde est là. Rentrons à l'orphelinat. Ah, c'est bon, j'ai tout. Déjà? J'ai peur. Ça mène où, ça? Manque de quêtes, je sais pas où elles sont. On va rentrer à la Folina. C'est elle qui nous donne la suite. Oui, pardon. Grâce à vous, tous les enfants sont rentrés sains. La coiffure. Je vous remercie. Elle est folle. Allez, c'est l'heure d'étudier, petit garnement. Le roi des crapauds est apparu. Il est très proche de la base. Il faut vite faire quelque chose. Le roi des crapauds? C'est le nom d'un monstre qui se cache tout au fond de notre base secrète. Il porte une drôle de couronne et il est très très méchant. Si ça se trouve, c'est véritablement le roi des monstres. Mais j'y pense. Ah, peut-être Claude pas. Pourrait le battre? Ouais, et très facilement à mon avis. Le problème, en retard, c'est que les services sont loin d'être donnés. Mais nous, on n'a pas du tout d'argent. Ah, comme il est en train de racketter des gosses. J'y crois pas, le machin. Cet endroit, il est très important pour tous les enfants. On te donnera un trésor en échange. Aide-nous, s'il te plaît. Si ça suffit pas, je te paierai quand j'aurai mon propre magasin. Si jamais tu refuses, on partira affronter ce monstre nous-mêmes. Il est horrible, ce Claude. Disons 3 guilds, alors. Hein? J'accepte d'éliminer le roi des crapauds de votre base pour 3 guilds. C'est à prendre ou à laisser. Génial! Affaire conclue! Je suis de tout cœur avec toi. Ah, ça va, il s'est rattrapé. Et je me rappelle pas ce que c'est que ce crapaud là. Elle était tout seul. Par où? J'adore cette musique. Ah, la remix des musiques de Final Fantasy VII, elles sont vraiment trop bien. Ah merde. Je vais regarder un peu plus mon ATB là. Ça devrait pas mon temps. Ça, bon, normalement. C'est le moment d'en finir. Ah,
J'adore ce passage. Écoute juste. Elle est vraiment trop bien, la Zik. Il faut que j'analyse. On sait jamais. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il est en train de healer le roi des crapauds là. Faut que je le tue en premier lui. Mais il est fini là. Ils sont lourds eux. Merde, j'ai fait ça. Je sais pas si je vais avoir le temps. Je peux compter sur ton aide. Je l'ai pratiquement mort aussi. Ah mais ils vont tous mourir, ouais. Ah non, Claude est pas mort, mais il faut que je fasse quelque chose. Casse-toi, toi. Heureusement que l'invocation a élu, là, parce que putain. Ah oui, merde, faut attendre deux ATH avec lui. Ouah. Non, putain, je suis con, je me plante. Pas fin de moi. J'ai loupé le roi. Ouais, il est sensible au froid, mais... Si, je pourrais l'utiliser, c'est vrai. Parvenu, lui. Ça va aller.
Bon, bon, il est sensible à la glace, mais... Tu peux t'en charger ? Laisse-moi faire. Est-ce qu'il y a des trucs à farmer? Je crois pas. Hein. J'ai à farmer ici. Hop. Non, non, mais j'oublie souvent d'utiliser en plus. J'utilise bien en plus sur les autres personnages comme Tifa et tout. Mais... Le roi des crapauds, tu l'as vaincu? Ouais. Je peux même dire que c'était un vrai jeu d'enfant. Oh, vraiment. Super. On a galéré. Je suis vraiment trop balèze. On va pouvoir aller jouer en sécurité comme ça. Merci beaucoup. Tiens, voilà le trésor pour toi. À mon avis, ça vaut forcément au moins 3 guilds. Pas de clouté. Dites donc, c'est pas le moment de vous amuser. Pour la peine, je vous ai préparé tout plein de devoirs. Et j'insiste pour que vous les fassiez tous aujourd'hui. Ouais, super, maîtresse. D'accord, comme vous voudrez, maîtresse. Je vous remercie tous les deux d'avoir éliminé le roi des crapauds. Tu étais donc au courant? J'aurais dû m'en douter. J'aimerais que ce soit toujours le cas, mais c'est un peu compliqué. Que ce soit pour réaliser leurs rêves, soutenir... C'est faire laquer, ouais, la putain. La batte de baseball de Negan. De mon côté, tout ce que je veux, c'est veiller sur... Il doit pas valoir grand-chose. Quoi que ce soit de mal. Ça doit pas être facile tous les jours. On peut le dire, en effet. Malgré cela... Je compte bien leur apporter tout mon soutien et leur donner une bonne éducation et tout plein d'amour jusqu'au jour où ils quitteront l'orphelinat. Ouais, c'est ce que j'essaie tant bien que mal de leur transmettre. En temps normal, ce sont leurs familles qui auraient dû leur apporter tout ceci. Et pour une personne sans lien de parenté comme moi, cela demande énormément plus d'efforts. Quel courage! Je ne fais que suivre l'exemple de mon prédécesseur. J'ai tellement de respect pour lui que j'ai emprunté sa façon d'enseigner. Mais pour être honnête avec vous, je suis très loin d'avoir le même don avec les enfants que Biggs. Oh, j'ai pas vu leur tourner. Il faut que je me prépare à partir. Ah oui, t'as prévu quelque chose? Ce quelque chose, en fait, c'est mon rêve. Encore merci à vous deux. Je me demande bien ce que ça peut être, le rêve de Folia. Ça m'intéresse pas. Merci d'avoir protégé notre base secrète. Au fait... Pour te remercier de nous avoir aidés, j'ai demandé à ce qu'on te laisse participer à un de nos jeux. Si tu veux savoir quoi, je te conseille de retourner à la base. C'est bon, on va s'en passer de ce jeu. Eh, tu devais pas nous donner ta batte de baseball, toi? T'as le gosse? Preuve de bravoure. Allez, on va aller faire ça. Faire toutes les quêtes secondaires quand même. Après, on va attaquer la quête principale. Okay, pas terrible cette quête, mais bon, faut qu'on la fasse. Histoire de casser les caisses, je crois. Il l'a déjà eu par la batte de baseball, ouais, sûrement. Je crois que ça vaut vraiment pas le coup. Je l'ai pas. Ah si, batte cloutée. Ah bah elle est pas si mal que ça en tout. Ah mais tu peux pas mettre de matériel, c'est de la merde. Ah c'est la gamine qui me l'a donné, ok. Tu peux pas mettre de matériel, donc c'est de la merde.
Pour diverses raisons, on avait arrêté de jouer à Brise-Boîte. Mais on a enfin recommencé. Brise-Boîte. C'est grâce à toi, Cloud. Faire ton jeu. Ah, j'y pense. Il y a un vieil homme à l'air triste devant le centre communautaire. Je crois qu'il a besoin de toi, Cloud. Ouais, ok. Ouais, c'est un objet collector, quoi. Brise-boîte. Celui qui arrive à détruire le plus de boîtes, il devient le héros de notre base secrète. Normalement, c'est un jeu réservé uniquement aux enfants. Mais puisque c'est toi, je t'autorise à y jouer. Claude, il va casser le rêve des gamins, quoi. Il va tous les éclater. Jouer à brise-boîte. Oui, on va jouer à brise-boîte. Ok, de toute façon ça peut être bien compliqué, faut taper. Et pas qu'un sable ça là. Oh non mais, si tu la loupes. Bravo à vos soldats aussi, ça serait très facile. Ah si, on peut utiliser ça. Ouais, mais si je tape à côté, il n'y a aucun intérêt. J'ai pas vu qu'il pourrait avoir du temps. Bon, je les ai éclatés les gosses. Ah j'avais pas vu qu'il y avait encore ça. J'ai pas avoir le temps de la... Ok, Brise Boîte fini. Ah, l'ange gardien. Ouais, dernière quête. C'est déjà plus intéressant que Brise Boîte. Tenez, regardez, Poupeau. M'appelle pas Poupeau, je te l'ai déjà dit. J'en ai combien? Ah, j'en ai qu'une. Ok. Donc elle est bien la quête du... Alors, c'est par où? Mon grand-père est à fond à Excusez-moi, je crois vous reconnaître. Vous devez être le fameux mercenaire, n'est-ce pas? Ça se voit. Ouais. Je me présente. Je suis Damon, reporter pour le journal de l'énergie. Oh, Coupeau. Le journal de l'énergie. Il y a toujours. Je vais mettre ça en son sur la chaîne, tiens, pour que j'arrive à l'enregistrer. Mais non, mais Coupeau. Vous me prenez.
Nous essayons seulement d'informer les gens sur la dure réalité ici. C'est pour permettre aux gens de réfléchir à un meilleur avenir pour tous. Enfin, bref. C'est bien que vous soyez là, car j'aurai un tout petit service à demander à monsieur le mercenaire. Avez-vous déjà entendu parler de l'ange gardien, l'insaisissable voleur dont on ignore la véritable identité? Ses victimes sont principalement des employés de la compagnie Shinra, à qui il envoie un avertissement avant de leur dérober des biens précieux. Il est très célèbre, notamment parce qu'il donne ses biens aux gens qui sont dans le besoin. L'ange gardien est très populaire dans les bidonvilles parce qu'il sait se montrer sous un bon jour. Mais le vol n'est rien d'autre qu'un crime. Je me rappelle plus de cette quête. C'est une menace à l'ordre public. Je l'ai faite, mais je me rappelle plus qui est l'ange gardien. Le problème, c'est que les habitants d'ici refusent catégoriquement de me donner des informations. Et pour couronner le tout, ils ont découvert que je suis journaliste et refusent désormais de parler avec moi. J'ai donc eu une idée. Je voudrais vous demander de vous occuper de mener l'enquête à ma place. D'accord, ok. Comment tout leur faire, hein. Tu n'as pas l'air d'être de bonne humeur. Et le ciel, alors? Sur les plateaux et l'oracle. Ah non, mais qu'est-ce qu'il y a? L'ange gardien, vous dites? Il y a des personnages qui sont vraiment très moches, quand même. Sur lui. Il est très populaire ici, mais personne ne l'a jamais vu. Il envoie toujours un pas qu'ils vont le modder le jeu. Puis il vole quelque chose comme un prestidigitateur. Là j'ai installé un truc pour installer des pour que les textures soient mieux, mais c'est pas ouf. Il utilise carrément de la sorcellerie. C'est pour ça que selon certaines rumeurs, ça serait une sorcière. Si on croit tous les ragots, moi aussi j'en ai entendu. Et il y en a même qui disent que c'est une créature. Alors là, laisse-moi te dire que des rumeurs sur lui, j'en connais facilement une bonne vingtaine. Ah, faut parler à elle, je crois. Ah, bonjour Mireille. Ça faisait un bail, Aerys. J'ai entendu dire que tu fricotais avec un type bizarre. Je te présente Mireille. Avec elle une coiffure comme ça, c'est clair que c'est pas net. Il est pas net. C'est Cloud. C'est un ancien soldat. Il est très très fort. Il a plutôt l'air débrouillard. J'ai entendu parler de toi. Je sais que tu es mercenaire et que les gamins de l'orphelinat t'admirent. Je sais aussi que toi et Aerys, vous essayez de vous renseigner sur l'ange gardien pour le compte du journal de l'énergie. C'est exact. C'est que j'adore écouter les ragots, moi. En tout cas, je trouve que ce sbire... C'est surtout que la dernière fois, j'avais oublié de faire le DLC... Youpi, je l'ai pas fait. Le DLC, j'ai complètement oublié de le faire. Mon intérêt. Il faut que je pense à le faire à la fin. Eh bien, voyons. Je sais pas, je crois qu'il est à part, mais bon. Tu es tombé sous le charme de l'ange gardien, alors. Ça tombe bien. J'ai juste besoin de nouvelles informations. Je vais vérifier tout ça, alors attendez-moi. Et allez donc chercher ce journaliste. Ah, parce que tu as une PC... Ouais, c'est dégueulasse, ça. Sérieux, ils l'ont pas sorti sur PS4, quoi. C'est vraiment crado, quoi. C'est bien du Sony tout craché, quoi. Ils sont horribles. Alors, il y a du nouveau? Dites, vous connaissez Mireille? Elle va nous donner des informations toutes fraîches. Mais oui, Mireille! Cette femme qui sait tout! Moi aussi, j'ai tout essayé. Ah, je me demande si j'ai pas acheté la Nintendo Drake Collection, là. Ça me dit trop, j'ai trop envie de l'acheter, quoi. Imbécile! C'est juste un caprice de vieille femme. S'il vous plaît, dites-moi tout avant de changer d'avis. Vous savez qui est la prochaine cible de l'ange gardien par hasard? Ou alors est-ce qu'il aurait laissé des traces? Pas du tout. J'ai juste appris quelque chose sur le repère où il se cache. Son repère? Mais c'est sensationnel, ça! Vous savez où il se trouve? Ce serait le plateau d'observation qui est situé dans la ruelle de derrière. C'est un endroit qui a été abandonné depuis un bon bout de temps. Le plateau d'observation, vous dites? J'y vais immédiatement! Mais c'est pas tout. Il y a une autre rumeur aussi. Oula, je suis levé depuis 4 heures du matin, là. Qui se serait installé là-bas. Je pense quand même à faire une pause. On m'a je sais pas aussi si j'ai... Très j'ai streamé très longtemps. Il faudrait une sacrée dose de courage journalistique pour oser y aller malgré tout. Et tout compte fait, y aller sans réfléchir serait une grave faute professionnelle. Le béaba du journalisme, c'est de bien se renseigner avant d'agir. Dans ce cas, je crois qu'il y a justement quelqu'un ici qui pourrait t'aider. Pas vrai? Et dites, monsieur le mercenaire, je vais encore une fois avoir besoin de vos services. Vous pourriez aller inspecter ce plateau d'observation pour moi? C'est qu'en plus Sony est dégueulasse parce que, un, ils ont pas sorti le DLC sur... sur PS4.
Et sur PS5, il était gratuit en plus. Et c'est vraiment des crados. Ah, sur PC, il était gratuit, ça, c'est sûr. Sur PS5, je crois qu'il était gratuit. Non, mais... Tu vois le bordel qu'ils font Sony actuellement pour le rachat de Activision. Je les trouve très, très, très... Je pense que tout de suite, le président qu'ils ont, là, je sais plus comment il s'appelle, là. Ah, j'ai perdu son nom, là. Il est pas trop pour les joueurs, quoi. Jim Ryan. Il a... Pas trop cool, ce mec. La ragdoll sur ce jeu. Ah. Ah, c'est comme le The Last of Us, hein. Franchement, moyen la ressortie. Hein. Bon, sur PC, qu'on l'achète plein balle, bon, bah, le jeu n'est jamais sorti, il a été retapé, c'est cool quoi. C'est normal, il est jamais sorti sur PC, donc. Alors, ceux qui ont acheté la version PS3, le remake sur PS4, il faut le racheter sur PS5. C'est lamentable. Sérieux. Plein pot, quoi. Alors, je pense que c'est pas par là, il faut que j'aille... Ce qui me saoule d'acheter la Nathan Drake édition là, c'est vraiment que j'ai envie de le faire quoi. Et ce qui me saoule, c'est que j'aurais voulu avoir, j'aurais bien voulu qu'ils nous mettent les trois premiers avec. Bah, c'est ça que j'aurais voulu acheter, même si je l'achetais plein pot, 80 balles, je m'en branlais quoi. J'aurais voulu faire le 1, 2, 3 avant de faire le 4. Là. Là c'est juste sur PS5 t'as tous les épisodes et sur PC en tout t'as juste le DLC et l'épisode 4 quoi. Ils sont pas fait chier quoi. Téléphone sonne, et ben ça sera pour un autre jour. Oula, mais il est gros lui. On va faire une sauvegarde avant. Longtemps que j'en ai pas fait une. Analyser. Hein. Ok, elle aime pas la foudre. Oh, la patate. Allez, j'analyse le deuxième. Ah merde, j'ai pas activé mes sorts. J'ai rien. J'ai de quoi. Antidote, ça doit marcher. Hein. Ah non, antidote, ça marche pas. Quoi, flacon de sel.
Super, deux fois de suite. Ah, mais il vient de me... C'est chiant. Ah merde, elle est en silence. Peut-être que je me suis pris. Je crois que Iris. Hop. Merde, je suis coincé. Ça va traîner. Oh, la patate. C'est le silence ou quoi? Ça se présente mal. Ça va. Et son invocation, Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais... Je vais te montrer ce que je sais.
pas le boulet. Faut que j'attende de... Ça joue vif. Ça se présente mal. Vraiment essayer. Ah, elle est morte. Pourtant vaudrait ça. J'ai rien senti. Je peux pas. Ouais. Allez, on en rachètera une. Fais attention. J'ai presque plus de force. Attends, on va jouer avec Iris. Je montre son ATB. Voilà. C'est quoi Vision? Vision en 3 bas permet de remplir plus vite. Ok, on s'en fout. Que souffle un doux vent d'espoir. Tu peux t'en charger? Ça me va. Allez, crève. Coup de tonnerre! Très bien. J'y vais. Ça suffit. Allez, merde, je me suis planté deux. Allez, c'est bon. Respectons les environs. Je vais farmer d'abord. Finir la quête. Il n'y a rien du tout à farmer. Il n'y a pas un petit banc là? Non. L'ange gardien vous remercie d'avance pour ses biens. Ils apporteront du réconfort aux gens dans le besoin. C'est une carte d'avertissement de l'ange gardien. Je vois rien d'autre d'intérêt dans le coin. Rentrons et faisons notre rapport. J'y crois pas. C'est une carte d'avertissement. Il n'y a pas le moindre doute possible. Ah, je ne crois pas. C'est une carte d'avertissement. C'est par l'ange gardien. Hein? C'est donc avec ça qu'il prévient ses futures victimes? C'est une grande découverte. Il n'y avait pas d'autre indice? Tiens donc. On dirait qu'il y a un message écrit sur cette carte. À l'attention du journaliste trop curieux de la Shinra. J'avais l'intention de te donner une leçon. On est en train de voir la carte et il n'y a rien écrit dessus. Dans un piège. Menteuse. Mais tu as eu la chance d'obtenir les services du mercenaire. La prochaine fois, ta curiosité pourrait bien te jouer des tours, alors fais bien attention. C'est un avertissement de l'ange gardien qui m'est adressé à moi. Si le mercenaire n'avait pas été là, ces dangereuses créatures t'auraient sûrement réduit en charpie. Tout ça, ça aurait été de ma faute. J'ai bien failli te conduire à une mort certaine, en voulant te rendre service et en partageant ces informations avec toi. Ne vous en faites pas. En fin de compte, il ne m'est rien arrivé, vous savez. Quoi qu'il en soit, je compte sur vous pour continuer de me donner des informations de première main sur le bidonville. L'ange gardien a envoyé un nouvel avertissement. Sa prochaine victime, c'est Don Corneo de Wall Market. Bien fait pour lui. Le Don, c'est pas n'importe qui. Cette histoire risque de faire des remous. Vous, là-bas! Dites-moi plus, s'il vous plaît! J'aurais dû lui demander de me payer. Tiens, prends donc ça. Y a rien de mal à ce que tu l'acceptes. De toute façon, ça vient des poches de ce journaliste. Va pas croire que je l'ai volé, hein? Je l'ai juste gardé pour lui.
Tu m'as impressionné. Tu mérites vraiment ta réputation de mercenaire. Je pense qu'on devrait pas tarder à rentrer. Il s'est passé autant de temps? Oui, c'est parce que tu acceptes beaucoup trop de travail, à mon avis. Forcément, comme ça paie pas des masses. Pardon. Tu dois encore faire tes preuves, pas vrai? C'est donc normal. Allez, on rentre? Allez, on va aller voir. C'est qui? C'est Rufus ou machin là qui vont nous attaquer? Bien fait toutes les quêtes, hein. Ok, c'est fait. Juste un truc, on va se reposer. Parce qu'on va se faire un big combat là. Ça fait un peu musique d'ascenseur cette zik. Ah oui. Il en a mangé à des pigeons. Il aurait cru. Laisse les pigeons tranquilles. Tandis. Bonjour, Iris. Tu m'attendais? Dis-moi, serait-ce ton nouveau petit copain? Qu'est-ce que t'insinues là? C'est pas très poli. Mais attends. Je reconnais ses yeux. C'est donc lui qui a battu Reno. Ah oui, c'est Reno. Quoi, si c'est le cas? Lui, c'est Rufus, c'est ça. Un rapport à mon boss. Ah non, rude. Mais je dois m'en assurer. Je vais même pas lire. Ah, Rufus, c'est le fils du président de la Shinra, non? Oh, je sais plus. Arrête. Plus largué. Rude n'est pas foncièrement méchant. On peut dire ça. Mais en revanche... Faut quand même pas chercher des noises au Turc. On aurait pu jouer dans Matrix, lui. Surtout, le prend pas mal. Ça confirme ce que je pensais. Chez les Turcs, en fait, vous avez que de la gueule. Allez, provocation. Et c'est toi qui dis ça? Reste quoi? Allons-y. Tu ne peux pas me laisser tranquille? Non, désolé. Ça va te calmer. Ah, il aime pas le vent et j'ai rien contre le vent. Légère résistance contre le feu. C'est bon, j'ai pas le temps de réagir là. Tu étais soldat. Première classe. Ben. Putain, Ah merde. Je vais toujours regarder mon ATH. Aïe 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 aïe. Arrête ça.
C'est il est dur à éviter. Oh non, mais c'est pas vrai. Dis-le, lui. J'aurais dû faire gaffe. Rien ne m'arrêtera. C'est le moment d'en finir. Je vais me lâcher. Allez, vas-y. Très bien. Tu vas nous laisser maintenant. Et une deuxième paire. Ça devient enfin intéressant. Oui, c'est mon travail. C'est sans doute mieux d'en changer. Oh non, comme il m'a interrompu. Tu n'as pas dit que tu étais contre la violence. Si, mais là, c'est de la légitime défense. Ça va. Je sais pas si j'aurai le temps. J'ai même pas avoir le temps de déclencher une deuxième transcendance. J'ai plus de... Sans rien.
Même pas utiliser de transcendance, quoi. Trop facile. Je peux pas me le permettre. Navré de cacher ta récré, mais... apparemment, on nous demande d'urgence pour l'affaire du bidonville du secteur 7. Ramène tes fesses rapidos. Entendu. T'as un changement de programme? On peut dire ça comme ça. J'adore la sonnerie. Ouais. Bon, tu la trouves assez facilement, cette sonnerie. Reste chez toi quelque temps. Désolé, c'est pas mon truc. Il y a des trucs à farmer, non ? Je fais juste une petite pause bio, je reviens tout de suite. Tu parlais aux fleurs, là ? Chut. Parlez aux fleurs. Bon, nous allons t'enfermer. Voilà. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a enfermé des gens pour moins que ça. On y va ? Ma mère attend, il est tard. Les fleurs ? Elles t'ont dit quoi ? Qu'elles sont très fières de nous. Je rigole. J'entends pas leur voix. Mais tu sais... Laisse tomber. En plus, tu me croirais pas. Sûrement. Dis-moi quand même. T'es sûr ? Ouais. On dirait presque que je pourrais les entendre. Qu'elles essaient de me transmettre quelque chose. Quelque chose qu'elles doivent nous dire. Elle est perchée. En tout cas, complètement. C'est l'impression que j'ai. Je crois qu'il me manque un petit truc. Que je n'écoute pas comme il le faut. Et du coup, je n'entends pas.
Je ne fais rien comme il le faut. Et à force, je finis par abandonner. C'est pas l'impression que tu donnes, de ce que j'ai vu jusque-là. Non, mais tu sais, aujourd'hui, je fais des efforts. Pourquoi ça? C'est un jour spécial? Allez, rentrons. Faites un effort, vous aussi. Alors? Elles disent quoi? Je crois que c'était... On est fiers de vous. Oui, c'est ce qui me semblait. Ça serait bien si tu récupérais la matéria avant. Mais bon, c'est pas grave. Ah. PM augmenté. Intéressant. Il n'y a pas d'autre chose à récupérer, ça m'étonnerait. C'est-à-dire que cet endroit-là, il n'y a rien à récupérer. Ah non, il n'y a rien. Tu veux déjà rentrer? Oui. Ouais, j'en ai assez. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Désolée, on a dû faire un petit détour. Très aimable. Le dîner est prêt à être servi. Ah, je vais t'aider. Dans ce cas, prépare plutôt la chambre d'invité. D'accord. Cloud, fais comme chez toi. Dis-moi, ses yeux, tu es soldat, hein? Ancien soldat. Écoute-moi bien. Quand la nuit tombera, j'aimerais que tu t'en ailles sans rien dire. Les gens comme toi ont tiré un trait sur une vie normale pour devenir plus fort, non? Il ne faut pas en demander trop. Ça y est, c'est fait. Passons à table. Vous devez avoir faim. On est affamés, hein? Quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu, je suis vraiment fière de toi. J'imagine que les filles te courent après. Pas vraiment. Tu dois être exposé à toutes sortes de tentations en ville. Moi, ce qui me rassurerait vraiment, c'est si je savais que tu as une petite amie pour veiller sur toi. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Ah, c'est toujours ces histoires-là dans Final Fantasy. Une fille un peu plus âgée. Qui t'obligerait tous les jours à faire de ton mieux. Vous feriez un couple parfait, si tu veux mon avis. Puisqu'on me le demande, je vais m'éclipser. Rien. T'as fait un cauchemar, c'est ça? Allez, repose-toi jusqu'à l'aube. Demain matin, je te raccompagnerai. L'autre, elle est déjà habillée, quoi. Elle a dormi comme ça, quoi. Sérieux. Ah, c'est chiant, cette partie. Il faut que je fasse plus attention, cette fois. Et tapé dans quoi, là?
Ah oui, d'accord. Ramasse-les, les sauces, ce sera plus simple. C'est bon, c'est un panier, elle a rien entendu. T'as là un coffre chez elle. On la fout dehors et on récupère le coffre. Il n'y a pas un moment, tu t'as... Elle s'aperçoit pas qu'on veut se barrer, là. Ah ouais, mais les éléments disparaissent au fur et à mesure, c'est cool. Ça y est, tu y vas ? Comment je dois faire pour aller au secteur 7 ? Il suffit de traverser le secteur 6. C'est simple, non ? Il y a quelques endroits dangereux sur le chemin. Mais tu es soldat, tu en as vu d'autres. Ex-soldat. Enfin bref. Désormais, ne t'approche plus de ma fille, s'il te plaît. Entendu. C'est un ordre, mais il y a quand même le s'il te plaît derrière. Alors, j'ai installé un pack, mais... Ah non, les casseroles sont toujours hexagonales. Je croyais que le pack, il doit pas trop bien marcher, le pack. Normalement, ça aurait dû être enlevé. Même pas été capable, les développeurs, de faire des casseroles rondes. Je vous suis très reconnaissante d'être allée secourir les enfants aujourd'hui. Ils sont tous émerveillés par votre courage et ne parlent plus que du soldat. Veux-tu bien remercier Iris de ma part, s'il te plaît ? Ok. J'avais pas fait gaffe, hein. Si vos parfums de chocobo, parfum de poule quoi, diable. Ça alors, en voilà une drôle de coïncidence. Mais chiante elle. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Pourquoi ? Parce que je veux rester avec toi. Montre-moi le chemin. Avec plaisir. Peut-être faire un truc. Équipement et matériaux. Normalement, j'ai dû acheter un bracelet ténébreux. Ça, on va pouvoir lui mettre une autre matéria. Genre celle qu'on a récupérée. Elle m'a augmenté. J'ai pas gardé, mais...
Alors, attaque magique plus 12. À point insuffisant, il en faut combien? Ah ouais, d'accord, il en faut 9. Ok, bon, il en faut 12. C'est quoi ça? Vitesse de récupération des PM de 50%. Putain, ça c'est cool de faire ça. Faut déjà qu'il gagne. Parce que c'est encore en travaux en haut. Ça fait peur. Tu trouves pas? Il paraît que le plateau s'est effondré. C'était à l'époque où on bâtissait Midgar. Personne ne vivait dessus à ce moment. Heureusement. Sinon ça aurait été une catastrophe. C'est quoi ça? C'est Wall Market. Le bidonville du secteur 6 est un endroit un peu spécial. Mais attends, tu sais sûrement déjà de quoi il s'agit, non? Je t'ai pas raconté. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite rejoint la Shinra. Que ce soit celui-là ou un autre, je connais pas trop les bidonvilles. Autrefois, pour pouvoir construire Midgar, on a fait venir beaucoup de main-d'œuvre. On a donc créé plein d'hôtels, de magasins, de bars et d'autres établissements. Ces commerces ont fait venir d'autres travailleurs, et l'argent a commencé à couler à flot. Forcément, ça a attisé les convoitises, et attiré des gens dangereux. C'est donc malfamé. Oui. Du coup, pour empêcher le quartier louche de s'étendre ailleurs, on l'a encerclé d'un mur. C'est comme ça qu'est né Wall Market. À l'intérieur de cette enceinte, les infractions sont tolérées. De cette façon, le problème est contenu. C'est le mur qu'on voit là-bas, c'est ça? Oui. Tu voudrais y jeter un œil? Ça m'intéresse pas. Tant mieux. Il y a un raccourci pour le secteur 7 par ici. Normalement, on prend le chemin qui passe par Wall Market. Mais moi, je conseille plutôt celui-ci. Quand j'étais toute petite, je passais déjà par là en secret. Le plateau effondré, il a été laissé dans cet état. On va passer par là? Ça a l'air rigolo, non? C'est la glace qu'ils aiment pas, nickel, on a les Iris, ça tombe bien. Ben ça je voulais faire, je suis planté de touche, je voulais l'analyser. Je
forcer. C'est quoi ça? C'est un bras gru. Ça a du charme, tu trouves pas? Cloud. Bon, je vais monter sur le bras gru. Alors transporte-moi jusque là-bas. Tu es sûr? Tout à fait. Une fois de l'autre côté, je descendrai l'échelle pour toi. Tu descends là ou pas? Elle veut pas descendre. Je suis à maximum. Ah d'accord. Ça c'est les petites étapes de comment faire agrandir la durée de vie du jeu. Parti. Il y avait pas des caisses à casser en bas là. Voilà. Attends. On l'a réveillé. Mourir, ouais. On pouvait passer par ici.
On va peut-être la... passer toutes nos potions de merde. Mais non. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a là ? Si l'accès a été bloqué, ça doit être à cause de l'apparition de créatures, j'imagine. Tu avais l'habitude de jouer à cet endroit ? Bah oui, j'ai grandi au bidonville. Ça t'a rendu forte. C'est pas vraiment un compliment. Ah bon ? Pourquoi ? T'as tout pigé là. Mais non! Fais quoi là? Arrête! Reviens. Ils sont chiants, hein. Il faut que je tienne le coup. Quoi cette musique hein. Il n'y a rien. Je sais plus s'il faut aller en haut ou en bas. En bas il faut aller. Récupérer tout. Ah bah tiens donc. Il faut vraiment qu'on fasse. You
Et le cas explose. Ah bah il a fait... Ah non, donc il avait fait... Merde. Tu ne peux pas saisir ce conteneur avec le bras gru ? Ici. Alors attends. Je prends pas trop les commandes. Mais t'arrêtes pas ? Tu manipulais des bras grus avant ? Elle a pas la lumière à tous les étages, des fois quand même. La pauvre. Oh mince, regarde ! Pourquoi il faut toujours qu'on nous embête ? Bon ben, tu vas encore devoir t'y coller. Tout faire ici. Oh le râleur. Moi, je vais descendre. Cloud, c'est bon. Chercher la matéria. Pas un truc à faire là. Ah mais attends. C'est plus. Putain, les commandes sur PC, je vois pas pourquoi ils ont fait ça quoi. Ça c'est fait. Cloud, je suis ici. Ah, c'est bon, t'as vu. T'énerve pas. Cloud, vas-y doucement, s'il te plaît. J'ai compris.
Ça veut dire quoi, vas-y, doucement. Doucement sur quoi? Je suis en train de me dire... J'aurais peut-être dû aller jusqu'au bout. Il y a peut-être des trucs à récupérer. Je pensais que c'était un secret par là, mais ça n'a pas l'air. Y'a quelqu'un? C'est désert, on dirait. Pas vraiment. C'est encore chaud. Et si on le rallumait? On pourrait camper? J'ai pas le temps pour ça. Et puis... Oh, regardez ça! On a deux voleurs, là! Hey! Mais dites donc, c'est pas gentil de s'introduire chez les gens! Pas le choix, on va devoir leur demander un dédommagement. Ouais. Un déménagement. C'est quoi ce truc-là? Abruti, c'est pourtant pas compliqué, tu sais vraiment rien, toi. Un dédommagement, c'est comme... pas assez simple. Tu sais, toi. Un dédommagement, alors, c'est très simple. C'est... On a absolument rien fait de mal. Oui. On ne faisait simplement que passer. Oh, ils s'imaginent qu'on va les croire. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Donnez toutes vos possessions, ce serait déjà un bon début. Vos possessions. C'est quoi des possessions? Débile. Des possessions, c'est simple. C'est comme... un dédommagement. Les possessions, ouais, c'est un dédommagement. Bon, ça ne sert à rien. Ça va se calmer. Je peux pas bouger. Ah ouais, bah le feu, ouais, c'est un peu efficace contre eux. Sur ce, moi je vais m'arrêter là parce que j'ai faim.
Je suis un peu crevé ce matin. Hein. J'ai du mal à... J'ai besoin d'avoir une sieste pour reprendre le boulot ce soir. Bon, on se retrouve demain matin, sûrement. Sinon, plus tard, lundi matin. Voilà, moi je... Hop. Voilà, sur ce, Missou, si t'es encore là, bah, bon après-midi à toi. Hop. À bientôt, bon après-midi, merci d'avoir suivi. Moi, j'ai faim, je vais aller manger. Voilà, j'ai la dalle. En plus, il fait beau dehors, j'ai profité du soleil. Je vais pas faire de raid parce que personne... Personne live aujourd'hui, c'est un peu normal comme tous les samedis matins.